Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur Vidéo Modeling. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale va concerner l'aérographe, encore une fois de plus, mais restauration d'aérographe. Alors, comme vous le savez, mon Ultra voilà, a pris quelques bains de Glanzer, et du coup, la couche, le plaquage, voilà, a un petit peu, on va dire, morflé. Je pense que c'est de l'oxydation. Alors, j'y suis allé avec tout un tas de diluants, du solvat peine, du white spirit, enfin tout ce qui existe. Hein. J'ai essayé de faire partir un petit peu cette couche, on va dire, mate, oxydée. Et rien n'y fait, hein, ça ne part pas. C'est voilà. Bon, moi je me suis dit, il est condamné, enfin il est condamné, il restera comme ça. Il fonctionne super bien, il fonctionne, il n'y a aucun souci. Par contre, le plaquage, voilà, c'est pas très très beau. Alors, j'ai trouvé la technique. Rien, c'est la machine. Voilà le résultat. Enfin, voici le godet comme il était avant, et voici ce que j'ai obtenu. Vous voyez, voilà, j'ai restauré le plaquage du godet. Alors, je vais vous montrer. Vous l'avez peut-être deviné parce que vous le voyez sur l'écran. Quel produit j'ai utilisé pour arriver à ce petit miracle là. Alors, je passe un petit coup de papier. Hein, voilà, je vous montre. Hein, vous voyez. J'espère qu'on ne voit pas ma tronche dans le godet. Mais c'est nickel, voilà. Et ben, j'ai tout simplement utilisé voilà, le Compound de chez Gravity, le Corse. Alors, comme je vous dis à chaque fois, moi je l'appelle le Magic Compound ce produit. Alors je vais faire le test avec vous, vous allez voir. Sur. Bon, je vais commencer par quoi? Je peux commencer par allez, ce godet, parce que vous voyez quand même, il est bien ruiné, il est bien oxydé. Alors je vais mettre du Compound, hop. Je vais prendre un petit morceau de papier toilette et je vais venir bah, tout simplement frotter. Alors prenez de l'essuie-tout pour faire ça parce que vous allez voir que ça noircit. C'est normal, c'est la couche oxydée qui s'en va. Ah oui, regardez déjà, rien que là, voilà, on retrouve le brillant. Alors, il existe des produits dans le commerce. Vous savez, des fois, on a des chaînes en argent autour du cou qui noircissent un peu, mais elles s'oxydent. Alors, je me demande si ces produits-là, et j'en suis presque sûr, pourraient donner, enfin, pour obtenir le même effet avec ces produits. Mais là, regardez, avec le Compound, voilà, bingo, ça y est. C'est restauré. Il n'y a pas photo. Alors, je ferai le reste hors caméra. On va s'occuper du corps maintenant. Mais ça va fonctionner aussi, il n'y a pas de raison. Alors, bon, c'est sûr. J'aurais pu dévisser et retirer tout le reste. Alors là, il était en cours de nettoyage, cet aéro. C'est pour ça que j'ai pensé, j'ai dit, tiens, mais le Compound, est-ce que ça fonctionnerait? J'ai essayé, et puis là... Alors ouais, je vous dis, vous voyez un peu le sopalin. Il est noir. Tout ça, c'est de l'oxydation. On va essayer sur le corps. Alors en même temps, on va regarder si les gravures, là, vous voyez, c'est noté ultra, tout ça, on va voir si ça n'efface pas les gravures. Alors, je vais remettre un petit chouïa. Tac, tac, tac. Mais bon, vous voyez, ça fonctionne. C'est ce Compound là. Alors, je sais pas, j'ai pas essayé avec celui de chez Tamir. Hein. Mais celui de chez Gravity, il est un peu plus rugueux. Moi j'aime vraiment ce Compound. Sur les vernis, c'est vraiment excellent sur les vernis, pour dépolir les vernis. Ah, allez, je vais retrouver un ultra tout neuf, tout beau. Alors voilà, ça va servir vraiment à ceux qui ont des aérographes un petit peu dans un état comme le mien. Vous voyez que rien n'est perdu. Voilà. On retrouve tout le brillant. Alors après, je pense que ça doit attaquer quand même un petit peu le plaquage, hein. Enfin pas grand chose, hein, parce que bon, c'est quand même une pâte à polir, c'est un côté abrasif. Alors comment que ça va réagir après, une fois qu'on va remettre du diluant dessus? Alors, je vais essayer ici, j'ai de l'essence F, juste pour voir, par curiosité, pour voir si ça renoircit pas. Je vais mettre de l'essence F dessus, pour voir, toc. Non, ça bouge pas. Malgré le passage du Compound, hein, j'avais peur que ça...
que ça abîme le plaquage, mais non, vous voyez, j'ai repassé l'essence L dessus, ça bouge pas, ça renoircit pas, il n'y a aucun souci. Et bien écoutez, c'est une bonne trouvaille, ce petit compound là, vous voyez, pour redonner une nouvelle vie à nos aérographes. Quand ils ont bien morflé, enfin, c'est vraiment excellent. Hop, je vais en remettre encore un peu ici. Et on va s'attaquer à toute la partie là, au niveau du manche, là, vous voyez que c'est pas mal oxydé. On va voir ce que ça donne. Alors n'y allez pas avec les têtes rotatives là de chez Gravity. Hein. J'y ai pensé tout à l'heure, j'y tiens avec la tête rotative. Et autrement elles vont devenir toutes noires. On prend son temps. Coup de sopalin. Ouais, ça marche. Impeccable. Ah, je suis vraiment content. Comme je vous le disais avant, je disais, bon, moi je m'en fous, hein, s'il est un peu terni, c'est pas grave. À partir du moment où il fonctionne bien, c'est le principal. Mais bon, c'est sûr que quand on a un aérographe qui brille bien, c'est quand même plus sympa. Alors voilà, résultat concluant, ça fonctionne. Alors du coup, je vais éviter de le remettre dans le glanzer. Voilà, c'est... Hein, ça passe de... Attendez, est-ce que je suis dans le cadre? Ouais, tac. Attends, je vais mettre comme ça. Vous voyez, toute cette partie-là. Voilà, le brillant est revenu. Donc, j'ai plus qu'à terminer mon petit nettoyage. Et puis, je vais me retrouver avec un petit ultra comme neuf, quoi. Impeccable. Et on a bien conservé, vous voyez, la gravure ultra... Voilà. Bon, elle était déjà très peu visible hein, à la base d'origine. Bon, c'est sûr que ça doit un petit peu atténuer la gravure, mais vraiment très léger. Voilà. Nickel. Bah, écoutez, si vous avez aimé cette petite astuce, cette petite combine, eh bien, vous n'hésitez pas à vous laisser un petit like. Et puis, bah, j'espère que ça, voilà, ça vous aura apporté quelque chose. Et puis, si votre aérographe était dans le même état que le mien, eh bien, vous allez pouvoir lui redonner un second souffle, une deuxième vie. Enfin, une deuxième vie. Il sera beaucoup plus beau qu'avant, quoi. Allez, merci d'être passé par là. On se revoit très vite pour la suite du montage du Sambabus. Portez-vous bien. Je vous dis tchuss.